Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu. Avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Malaki Afro-Congo TV. Et Malaki Makongo voudrait vous dire bonjour, bonsoir. Et vous rappelez que nous sommes un jour passé après la danse de la première République noire. Bon, on nous a appris de mettre en amont les fêtes familiales et très souvent nous avons oublié les fêtes de la famille. Les fêtes de la terre, les fêtes du pays, les fêtes du continent, les fêtes, la fête de Haïti, Maman Liberté, qui très souvent se noie dans le soupe jumeau du 1er janvier. Donc, Masengo Mambongolo, va essayer de présenter quelques images d'archives que nous avons sur ce que moi et mes amis avons pu dire de Haïti. Bon, je les prends comme ça. Uniquement pour ne pas oublier, parce que je sens que la fête du Nouvel An a souvent l'habitude de prendre le dessus sur la fête de la République, la première République noire indépendante. Voilà un peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Il faut dire, il faut signaler que le 1er janvier 1900 n'a pas été fêté. Le 4 janvier 1900, le 1er janvier, s'il vous plaît, 1900 n'a pas été célébré parce que simplement à Port-au-Prince, il y avait des bruits de bottes. Il y avait des bruits de bottes. Et j'étais présent à Port-au-Prince lors du bicentenaire de Haïti. On avait froid dans le dos, hein, je dois vous le dire. On avait froid dans le dos. C'était pas du tout facile d'arriver jusqu'à Port-au-Prince. Ben, on a quelques images qu'on aimerait balancer, hein, uniquement pour curer cette grande plaie qu'est Haïti, afin que Haïti ne soit plus cette Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique.
Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longa Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Je disais tantôt que ce mardi 2 janvier, nous aimerions remuer le couteau dans la plaie, de telle façon qu'on puisse curer cette plaie que Haïti, cette plaie que porte Haïti. Afin que les gens se rappellent et que ne puissent pas diluer la victoire de Dessalines et ses amis dans la fête du Nouvel An. C'était la première République noire indépendante. Je voulais rappeler aussi que le 1er janvier 1900, la fête de l'indépendance de Haïti, la première République noire, Haïti, maman liberté, n'a pas été célébrée parce qu'il y avait des bruits de bottes. Et ah, je disais 1904, cette fête-là n'a pas été
Le 1er janvier, donc, la fête n'a pas été célébrée. Et en 2004, la fête a failli ne pas être célébrée encore. Cette date a failli ne pas être célébrée parce que dans la partie nord de Haïti, au Cap-Haïtien, déjà, le détachement de Rochambeau, qui est basé à Guyane, était déjà sur le terrain pour interdire l'exécution de cette plus grande fête du monde noir. Heureusement que Nelson Mandela avait déjà dépêché sur le terrain son élément. Je veux parler du président Thabo Mbeki afin que soit célébrée cette fête. Il n'est pas venu en touriste tout seul. Il était là déjà 7 jours avant. Un grand bateau militaire mouillait au port de Port-au-Prince. Un bateau venu de l'Afrique du Sud pour assurer la sécurité dans l'océan Atlantique, dans la partie américaine. C'est du jamais vu, mais ça s'est fait. Et grâce à cela, la fête a eu lieu. Je vais donc aller repartir au 31 décembre, donc 48 heures avant la fête. Vous allez voir le climat de terreur qui pesait sur la population, qui pesait sur les gens, à Port-au-Prince. Vous allez voir le climat de terreur qu'il y avait. Les gens avaient peur de parler de Haïti, de parler des problèmes, parce qu'on ne savait pas avec qui on s'entretenait, et on ne savait pas quelle en pouvait être la suite. Donc aujourd'hui, Malaki Makungu va mettre à votre disposition quelques éléments d'archives sur l'indépendance de Haïti afin qu'on ne puisse pas oublier. Ah ça, que c'est beau, que c'est bon, que c'est beau, que c'est bon. Pour aller chez le médecin pour faire un traitement, on va te demander 4 à 5 000 dollars, qui est équivalent presque à 1 000 dollars américains. Mais pour aller chez Hongo, il n'y a pas de prix. On dit bon, monsieur, voilà, je suis malade, j'ai 10 dollars, on donne 10 dollars. J'ai 50 dollars, on donne 50 dollars. Et quand on parle de l'argent pour aller chez le médecin, ils vont chez les Hongo. Finalement, combien coûte le traitement quand ils vont chez les Hongo? Comment, combien coûte le traitement? Ici, pour aller chez le médecin pour faire un traitement, on va te demander 4 à 5 000 dollars. Qui équivalent presque à peu près 1 000 dollars américains. Mais pour aller chez Hongo, il n'y a pas de prix. On dit bon, monsieur, voilà, je suis malade, je suis ici. J'ai 10 dollars, on donne 10 dollars. J'ai 50 dollars, on donne 50 dollars. Et quand on n'a rien? Quand on n'a rien, on a rien. Mais on sera guéri. Oui, on sera guéri. Et parfois, parce que les gens, ils ont une croyance. Et c'est la croyance qui lui permet de guérir. Ce n'est pas les rondons qui vont le guérir, mais ce sont les croyances. Parce que pour traiter quelqu'un, il faut la croyance. Il faut aussi les plantes. Il faut la prière. Monsieur, s'il vous plaît, comment vous appelle? Non, comment vous appelez, s'il vous plaît? Non, pas. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Nathalie. Vous êtes haïtienne? Oui. Ah, merci beaucoup.
Je peux vous poser une question? Pas trop. Pas trop, juste une. Je suis timide et puis je n'aime pas la politique. Et qui fait la politique? Moi, je ne suis pas politicien, je suis artiste, je suis comédien, madame. C'est touriste. Ah, je suis artiste, je suis comédien. Ah bon. C'est touriste. Madame, oui. Moi, j'ai peur. Est-ce que vous voulez que je m'en aille tout de suite ou je peux rester jusqu'à demain? Non, je ne sais pas. Je ne sais rien qui passe ici. D'ailleurs, je ne suis pas de la zone. Je parle de la ville. Oui. Port-au-Prince, est-ce que je m'en vais tout de suite? Non, je peux rester? Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire au sujet. À ce sujet. C'est une question formidable. C'est une réponse formidable. Oui, oui. Vous avez tout dit là-dedans. Ah bon? Oui. Même ce que vous ne voulez pas dire, vous l'avez dit. Oui. Voilà. Mais comment ça? Explique-moi. Mais ça veut tout simplement dire que, voilà, ça fait 200 ans et vous ne pouvez rien dire. Ça veut dire que vous avez tout dit. Ça veut dire que vous avez tout dit. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. En plein dans le Bicentenaire. Haïti, en plein dans le Bicentenaire. En plein. Les routes sont pleines. Bon dia. Nous y sommes. Appel s'il vous plaît. Pardon? Renaud, vous êtes haïtien? Oui, je suis haïtien. Oui, je vous écoute. Moi, je vous avez dit, oui. Vous avez dit, vous êtes venu. On a beau parler dans les médias à l'étranger d'Haïti, parce qu'Haïti est un pays vraiment en désordre. Je vous pose une question, je vous demande, est-ce qu'effectivement ce qu'on dit sur les ondes dans les pays étrangers, est-ce qu'effectivement ce que vous voyez ici en Haïti? Ben, je suis seulement en train de voir que il y a de la vie. Les bus sont en train de passer. Le marché, on venait de filmer. Et entre ce qui se dit et ce que je vois, je pense qu'il y a une différence. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, ce qu'on dit d'Haïti, c'est effectivement faux. Il y a parfois des manifestations, c'est normal, dans un pays comme Haïti, qui a peine commencé avec la démocratie, c'est normal. Mais ce qu'on dit, on parle d'Haïti, comme si les Haïtiens sont des sauvages, c'est effectivement faux. Effectivement. Mais avec les complicités des Haïtiens même à l'étranger. Notre démocratie est jeune. Il y a des personnes Haïtiens qui ont effectivement tendance à. Et ce sont des Haïtiens, avec la complicité des Haïtiens, qui essaient de banaliser Haïti. Il n'y a pas de place dans la ville. Il n'y a pas de place. À Port-au-Prince. Attention, à ce que l'on pensait que le monde va mourir aujourd'hui. Les bourgeois en Haïti, ils ont un système de sécurité
Les soirs, ils vont dormir tranquillement parce qu'il y a des gens qui sont restés debout devant la barrière. Et comme ça, demain, il y a des autres personnes qui vont venir pour les remplacer. Mais le peuple n'a pas besoin de savoir quand il est en colère. Ils vont venir pour se brûler ces gens-là. Ils vont brûler les gens, ils vont brûler la sécurité. Parce que pour eux, ils vont faire les bourgeois comme le steak, comme le barbecue. Ce sont des gens qui sont vraiment dangereux parce que quand on ne mange pas, on est devenu méchant. C'est comme les animaux qui sont dans la forêt. Ils n'ont jamais vu les gens. Lorsqu'ils verront la personne, ils vont venir pour se déchirer. Parce qu'ils pensent que ce sont des ennemis. Et le peuple et les bourgeois, par exemple, le peuple, c'est comme l'ennemi des bourgeois. Et les bourgeois, ce sont les ennemis du peuple. Ces deux gens-là, quand les peuples sont déchaînés, ils sont venus et puis mettent le feu de cyclistes du collier. C'est brûler les gens. C'est brûler les gens qui sont. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But regardez cette fille, strong. Une fille de zone. By the end of the Almighty, tout le monde que vous voyez marche parce qu'ils ne savent pas exactement où aller. Seulement pour la survivance, seulement pour la foi, pour l'amour qu'ils ont, pour la vie. Mais tout le monde a peur. Une psychose générale plane sur toute la ville. Redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Regardez, les voitures sont prêtes à fuir, pleines de carburant, pour aller hors de la ville. Mais la ville est encerclée. Personne ne sait. Même lui-même, le président Aristide, ne sait pas ce qui va lui arriver cette nuit. Parce que on dit que Haïti doit mourir d'ici demain. Il est 5 heures de l'après-midi. Un bruit assourdissant couvre le ciel de Port-au-Prince. Et tout le monde, enfants, hommes, femmes, ont les yeux tournés vers le ciel pour voir si l'heure de la fin est arrivée. Cette fin prévue, l'heure de la mort. Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Haïti ne mourra pas. Il ne peut pas mourir. Ces oiseaux ont la couleur de l'Afrique. La couleur de Mandela, de la paix. Et oui, oui, ils sont arrivés, les oiseaux de la paix. La mère poule est arrivée droit d'Afrique du Sud. Pas seulement pour la sécurité du président Thabo Mbeki, mais pour sauver la vie, redonner espoir à tout le monde. Personne ne savait quel genre de surprise que cachait le bateau de Mandela qui, depuis plus d'une semaine, mouillait au port de Port-au-Prince. Les oiseaux de paix lui apportaient la liberté et...
un bicentenaire de paix pour un millénaire de liberté. Le compte à rebours commence. Port au Prince. Qui l'aurait cru? Il aurait cru que ce premier, à la veille du 1er janvier 2004, que les rues seraient bondées de monde. Les voitures roulent presque à 10 à l'heure, 5 à l'heure. C'est plein. On nous a raconté. Voici ici. Voyez comment ça bouge. C'est plein. On repasse. Eh oui, le compte à rebours, jour J, moins 6 heures, le compte à rebours. Eh oui, c'est tranquille, simplement parce que le peuple a regardé les gens, ce grand derby qu'il y avait entre ceux qui voulaient faire la fête, ceux qui pensaient que c'était bon, de célébrer, de commémorer cette fête de Toussaint l'ouverture, cette fête de la première République noire. Et de l'autre côté, ceux qui pensaient que l'on avait mal travaillé, qu'on n'avait pas bien réglé les choses et que ça ne valait pas la peine de célébrer quoi que ce soit dans ces conditions. Il fallait que le président Aristide parte pour que on puisse revoir, reporter la fête à n'importe quand. Ce n'est pas pour la première fois. En 1904, on avait reporté la fête, parce qu'il y a des gens qui ne veulent jamais entendre parler d'une journée d'indépendance de l'homme noir, et d'une république noire. Alors, disons que la première, quoi. Alors, ils aiment toujours mettre les bâtons dans les roues pour essayer de bloquer le système de la liberté, de la libération des hommes noirs. Nous sommes en plein Port-au-Prince, en plein Port-au-Prince, et dans la paix, la tranquillité, parce que le peuple s'est dit, ce qui importe, ce n'est pas les grimaces des politiciens qui n'arrivent pas à régler le problème du peuple, qui veulent se sucrer sur le dos du peuple. Le peuple a d'autres problèmes, des problèmes plus importants. Dans le temps, allait nourrir l'Amérique et l'Europe. Ce fut une grosse souillure, hein, Jean Tanguy. Bien sûr, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Voilà, chers amis, c'était une partie de souvenez-vous, il y a du bruit qui se fait dans le fond. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que nous étions là le 31 décembre 2004. Donc, à 48 heures du fameux événement, nous étions là. Mais on était venu beaucoup plus tôt parce que il n'y avait pas d'avion qui atterrissait à Port-au-Prince. Donc il fallait descendre. Quand tu prends un avion, tu descends à Santo Domingo. Et de là, tu vas continuer jusqu'en Haïti. Mais c'était fermé. Parce qu'on avait tiré à l'université, hein, on avait tiré sur les étudiants. Il y avait, je pense, 7 étudiants qui étaient morts. Et le proviseur avait pris les balles dans les pieds.
La situation était très tendue. Donc, il y avait la frontière était fermée entre les deux pays. Donc, j'ai été obligé de rester à Santo Domingo pendant 11 jours. Et d'ailleurs, comme Dieu sait bien faire les choses, cela m'a permis de rencontrer les Los Congos. Los Congos se sont situés, quand vous prenez le métro, c'est juste au terminus, à Mamatingo, la station Mamatingo. Et de là, il y a même le buste de... Non, pas le buste, c'est la statue du roi Congo, Sisto Migné, qui domine les espaces là-bas. Et de là, vous allez à 5 km, comme ça, là, vous êtes chez les Los Congos, via Melia Los Congos. C'était terrible. Le 11e jour, j'ai dit non. Moi, j'étais venu pour le bicentenaire de Haïti et je ne peux ne pas aller au bicentenaire de Haïti. Donc, c'est pourquoi je me suis arrangé pour descendre. Je me suis arrangé pour aller chez en Haïti, pour rencontrer, participer donc à la grande fête africaine à laquelle tout le monde devrait assister, devrait participer. Alors, durant la fête, il y a eu plein de choses. Je vais commencer par la fin parce que là, on va rencontrer Madame Gertrude qui va nous dire des choses assez bonnes. Nous sommes au Champ de Mars, là. Nous sommes en Haïti, au Champ de Mars. Et voilà un peu l'atmosphère qu'il y avait au Champ de Mars le 1er janvier 2004. Le 1er janvier 2004. Au Champ de Mars. Oh, God bless me. Voilà, allons-y. Pour changer, ok, là son pays de la paix. Soit bien là, on continue avec nous, ou ça là, ok, donc ça, ok. Mais ça qui est plus belle dans le pays, ok, nous avons monde, qui fait. The peaceful town. Come over, enjoy yourself, and be happy. Be happy. Enjoy life. One love, true love. Very amen. Okay. What I just tell you, là? Wait, no, this guy. Nous, là, bel garçon. Vous pouvez nous le dire en langue française aussi? En langue française, ça veut dire que okay, bon, chez nous, c'est comme ça, c'est normal. Nous sommes ici tranquilles, attendez-moi. Nous sommes ici tranquilles. Et puis, on prend notre temps pour jouer ensemble, tu vois. Okay. Vous voulez venir en Haïti passer quelques temps, très bien. Yeah. C'est bon comme ça. C'est la paix. C'est la paix. Peace on earth. Love tout le monde. Union fait la force. Oui. Okay. Bienvenue et joyeux années. Merci beaucoup. Merci. Et je pense. Je suis Monsieur Bob Ligali. Je suis du Nigeria. Je suis de Lagos. Et en tant qu'un Africain, j'ai à peu près de 32 ans depuis que je vis ici en Haïti. Je suis très content d'être ici et d'avoir vécu toutes ces années pour bien comprendre mes confrères qui sont des Haïtiens comme moi. Et l'expérience de leur indépendance
nous a montré que nous avons une extension de l'Afrique en Amérique. Et c'est l'une des raisons qui fait que le président de l'Afrique du Sud a réellement représenté l'Afrique pour la célébration de leur indépendance. Donc, pour cela, je vais donc, encore un peu de musique. C'est la musique que je veux vous donner, c'est la musique qui est la base de la musique de Petrolemba. Quand vous entendez la musique de Petrolemba en Haïti, c'est plus ou moins, c'est pas plus ou moins, c'est celle-là. Et moi, nous en avons parlé à l'université de Paris 8, et là j'ai vu le clivage qu'il y a entre les Haïtiens, les intellectuels haïtiens. Quand je dis les intellectuels haïtiens, c'est ceux-là qui ont bu la logique de l'après Dessalines. Après Dessalines, après la mort de Dessalines, pendant 46 ans, il était interdit de prononcer le nom de Dessalines. Interdit de parler des œuvres de Dessalines. Tous les documents qui parlaient de Dessalines étaient détruits. Et ils ont mis en place une autre littérature, une autre logique, une autre histoire. Et cette histoire, elle passait à côté de la réalité socioculturelle, historique, de la vérité historique. Si bien que les gens qui sont des grands intellectuels et qui ont bu cette littérature, quand vous les écoutez, surtout quand vous connaissez une partie de l'histoire de l'Afrique et que vous écoutez ces intellectuels-là, vous dites mais d'où ils sortent ceux-là? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Parce qu'ils vous parlent de Macandal depuis le jour qu'il a commencé ses activités en Haïti. Mais ils ne savent pas que ça, ce n'est que la dernière partie de Macandal, de la vie de Macandal. Pour comprendre Macandal, pour comprendre ses œuvres, ou même pour comprendre le Petrolemba, il faut repartir dans le temps. Il faut aller puiser dans la sève de la culture Congo. À partir de ce moment, vous pouvez comprendre
le rôle de capot à la mort. Pourquoi est-ce que quand Toussaint Louverture voulait faire de Haïti un département français comme la Guadeloupe, la Martinique, pourquoi est-ce que capot à la mort, Dessalines, capot à la mort, ils avaient dit terminé, basta, c'est terminé. Alors, je ne vais pas beaucoup parler, on va faire parler les gens, comme ça vous saurez exactement de quoi je suis en train de parler. Parce que c'était houleux à l'université Paris 8 entre les gros intellectuels et les enfants de l'Afrique qui vous parlent de l'histoire vraie. Les invités qui nous font l'honneur effectivement de nous écouter dans nos pérennes pour pérégriner un petit peu ce soir. Voilà. Je prends le parce que j'ai un peu de mal avec ce mot-là. Ne m'en tenez pas à rigueur, je sais. Donc, je suis Adissa Alira, je suis prof de lettres et d'histoire, également porte-parole du comité Joseph Kizerbo pour l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Bien, puisque j'ai 15 minutes, je vais lancer parce qu'on ne voit pas passer le temps. Hein. Voilà, pour me présenter, pour moi, évoquer la bataille de Vertières, parce que c'est le grand titre, le grand thème de la rencontre d'aujourd'hui, au cœur de l'université, c'est rendre hommage, tous les hommages, aux militants de la cause africaine, dans la suite des combattants victorieux de Vertières, qui a vu la défaite de l'armée napoléonienne. C'est aussi rendre un vibrant hommage à leurs ancêtres africains, dont ils sont les dignes descendants. Et aujourd'hui encore, aux nombreux autres combattants qui sont présents sur les champs de bataille, de la survie en Haïti, en Afrique, dans le Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger, et tant d'autres endroits. Rendons-leur hommage parce que ces combattants sont également lancés dans la bataille pour nous écrire de belles pages pour demain. Ils sont présents sur ces champs de bataille-là. Mais alors, dans ma réflexion en vue de cette rencontre, je pensais à un des nôtres. C'était un Guadeloupéen, c'est Luc Renette. Je pense que certains d'entre vous doivent savoir qui est Luc Renette. Et j'ai donc pensé à Luc Renette dont on a diffusé récemment un portrait sur la 5. Le portrait en question était, si on veut, teinté à la sauce du maître, voire même coloré. Hein. Plus que teinté, c'était coloré. Et dans le contexte de la Martinique d'aujourd'hui. Vous allez savoir pourquoi je vous parle de Renette, de Guadeloupe, de Martinique. Il faut juste quelques minutes pour ça. Donc Renette, dont on a diffusé récemment un reportage coloré, très coloré, à la sauce du narrateur, si on veut,
Mais j'ai envie de dire très tranquillement que Renette est un héros. C'est un héros d'aujourd'hui. Comme ceux d'hier, c'est un héros vivant qui gagne à être connu et enseigné aux plus jeunes, dont la liste est longue. C'est ainsi que j'ouvre mon propos pour premièrement magnifier ici nos liens d'attache avec les fils d'Afrique dans leur ensemble, où qu'ils soient éparpillés sur la surface de la mer des Caraïbes. Ils sont les nôtres. Ils sont les nôtres car je suis africaine. Ils sont les nôtres car je suis burkinabé. Ils sont les nôtres parce que je suis sahélienne. Ils sont les nôtres, où qu'ils soient. Deuxièmement, c'est également pour évoquer la souffrance de l'Africain cristallisé sur certains d'entre eux, morts, comme Dessalines, Christophe, Lumumba, Sankara, ou des héros vivants, dont celui Renette que j'évoque, qui sont donc encore en vie. Et donc, ils ont en commun pour cela d'être l'objet de cristallisation face à une violence systémique. Et dans le cas de Renette, c'était la police de Pasqua, Charles Pasqua, dans les années 80, pendant plus de 10 années. Je vais vite, et cela avant même d'évoquer, je vous laisse deviner, Haïti, la belle, la rebelle Haïti. Haïti donc. Ça, Haïti, le 18 novembre 1803, Vertière, qu'on ne compte pas à qui que ce soit dans cette salle. Vous en savez certainement plus que moi pour certains. Eh bien, mais j'étais donc dans cette réflexion, dans cette phase de réflexion, et je me disais, oui, je vais partir d'un héros d'aujourd'hui pour évoquer la continuité de cette histoire-là. Et puis alors, qu'est-ce que je n'entends pas le lendemain, lundi 14 novembre, sur les réseaux sociaux, on nous annonce la mort du professeur Kalala Omutunde, Jean-Luc. Là, j'ai pris un coup de massue, comme vous tous, un baobab à terre. Je ne savais donc plus comment réagir, puisque dans les circonstances qui sont actuelles, on n'a pas encore déterminé exactement la cause. J'ai envie de dire pourquoi tant de violence, mais on ne sait pas. À chacun de se poser des questions. Moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le choc est grand. Ce qui, comme je l'annonçais, ouvre sur le devoir de célébrer plus encore nos héros, tant qu'ils sont vivants, de même que tous ceux qui sont derrière nous, littéralement. Il faut les célébrer. C'est donc pour moi un devoir de les célébrer plus encore, parce que par rapport au traitement qui est systématiquement délivré, dès qu'il y a résistance, on se trouve face à un déploiement de force terrible. Néanmoins, il faut croiser le fer avec l'effort du moment, au moyen de tout moyen, bien sûr, pas seulement physique, mais aussi scientifique, prouvant une égalité en humanité avec tous les humains, avec tous les hommes. Il n'y a donc pas de supériorité. La supériorité, pour moi, elle est relative à des circonstances bien définies, et c'est pour ça que je parle de l'effort du moment. Il faut voir vraiment qu'est-ce qui va justifier tout cela, si ce n'est une question de timing. Après quoi donc j'aborderai ici, après tout ceci, j'aborderai ici votre thème,
Haïti, l'énigme du retour aux origines africaines. Mais pour moi, ça sera d'un seul mot. J'ai envie de dire ça sera d'un seul mot, et au choix d'ailleurs. Et ce mot, c'est Azaba, Akwaba, Niwongo, Audanse, Atour. Je ne sais pas comment cela se dit en congolais. Izenokiambote. Cela veut dire bienvenue, simplement. Et donc, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait compliquer des choses. Mais bon, on va essayer de coller à la thématique qui est donc l'énigme qui est bien posée, l'énigme d'un retour aux sources africaines, aux origines africaines. Lorsqu'on dit en Afrique Azaba, Niwongo, Akwaba, on le prononce, c'est une formule qu'on va prononcer à l'intention de toute personne qui revient à la maison, à sa maison. Donc tout enfant de la diaspora africaine qui rentre en Afrique, rentre chez lui. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et donc, et ça sans exclusive, sans aucune autre procédure. Je me propose de vous, il me reste donc 5 minutes, ça va vite, 6. À la question, moi je voyais ça comme ça, à la question qui est posée, je vous propose de réfléchir autour de, premièrement, pourquoi un retour énigmatique dans la formulation qui est faite, pourquoi parle-t-on d'un retour énigmatique? Et en deuxième lieu, on aura quelques données internationales ou intergouvernementales que je vous propose également. Et donc, de ce niveau-là, on pourrait évoquer une logique de violence politique que j'ai effleurée un petit peu plus haut en vous parlant de nos héros et de ce qui se passe. Le troisième lieu, ça serait un retour à marche forcée et raisonnable à l'intégration africaine. Je vais vite. Donc, si vous me suivez, je vous propose dans la poursuivre un petit peu, même s'il n'y a pas de tableau, mais c'est quand même toujours bien de se faire une idée. Donc, premièrement, on va évoquer pourquoi un retour énigmatique. Deuxièmement, quelques données internationales. Deux points, une logique de violence politique. Et troisièmement, vers un retour à marche forcée et raisonnable à l'intégration africaine. Pourquoi mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai plutôt envie que ce soit de continuer sur la causerie, donc ça sera juste sur cette façon de faire-là, pour dire pourquoi ça serait énigmatique pour aller quelque part. J'ai besoin d'aller de Port-au-Prince à Abidjan, par exemple, je prends un billet, je vais à Air France, et d'ailleurs Air France c'est le mauvais exemple, mais bon, disons qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, et donc je prends mon billet, je vais en Afrique. Pourquoi ça devrait être une énigme? L'énigme, ça serait soit que je n'ai pas les moyens financièrement d'effectuer le voyage, soit que je n'ai pas un lieu d'accueil, par exemple, hein, même si on peut aussi avoir d'autres l'accueil, les barrières linguistiques, culturelles, etc. Or ici, si je maintiens aux propos qui nous sont rapportés, il n'y a pas vraiment ce type de barrière là. D'ailleurs, pour la petite histoire, il revient beaucoup plus cher d'aller de Port-au-Prince à Abidjan, dans mon exemple, que d'aller de Port-au-Prince à Paris. Pourquoi? À chacun de se poser la question, il n'y a aucune logique en fait. Si on reste dans la logique du retour à la maison, ça ne devrait pas être bloquant au point. Passer le coup de tout cela, ça ne devrait pas être aussi bloquant. Or, on nous met toutes les barrières possibles, y compris financières, pour ne pas faciliter ce genre de transaction. Et tout y quantit, parce qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, et je ne vous parle pas des formalités qui sont
très, très complexe dans ces cas-là. C'est pour ça, j'ai envie de sauter le deuxième point. Je reviendrai là-dessus. J'ai envie de passer le deuxième point parce qu'il est un peu technique et il aurait fallu qu'on puisse projeter, mais je ne savais pas qu'on n'avait pas prévu de projeter. J'avais des chiffres, des données. Mais on voit quand même bien que ce qu'il y a de commun entre l'Afrique et sa diaspora, ce qui revient, c'est la violence. Je dis bien que je vais vite. Ce qui revient donc, c'est la violence, le niveau de violence qui est élevé, que vous preniez Haïti, que vous preniez le Tchad, que vous preniez la RDC, que vous preniez le Congo, etc., etc. Il y a comme une constante. Et cette constante-là, elle peut effectivement être conjuguée avec les autres éléments qui font que peut-être qu'un jeune Brazzavillois ou, je ne sais pas, de Kinshasa, n'a pas plus que ça envie d'aller demain, je dirais plus en Haïti, mais il n'aura pas forcément envie d'aller au Mali. Qu'est-ce que je vais y aller faire? Qu'est-ce que je vais trouver? Le contraire également de l'autre côté, dans l'état actuel de ces états-là, de ces terrains, qu'est-ce qu'un jeune de Port-au-Prince, un jeune ou martiniquais ou autre, il se dit, ben, qu'est-ce que je vais aller faire en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je vais y trouver? Il y a de la violence, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas ce facteur attrait qui peut tellement le motiver. Par contre, si on lui dit, allez à Paris, à New York, là tout de suite, il va se passer quelque chose. Et donc, en fin de compte, nous, le billet, il reviendrait beaucoup plus cher. Le ratio, distance, prix, etc., avec le nombre de morts, parce que tous ne vont évidemment pas venir par le transport, par l'avion, etc. Combien d'enfants se noient dans la Méditerranée, pour ne pas dire autre chose. Ce qui fait que au final, le prix du voyage est beaucoup plus élevé pour, à la fin, pour un résultat qui est quasi nul. Je ne parle pas des étudiants, je ne parle pas des gens qui se déplacent dans le cadre d'études et de ce genre de choses. Mais en termes d'échange, il faudra quand même que chacun y pense. Et d'un mot, parce que mon temps s'est écoulé, vous l'avez entendu, donc il n'y a pas de triche. Je veux juste dire que pour ce qui est du retour en Afrique, pour moi, c'est plus qu'une énigme, c'est une réalité. C'est un retour, mais à la raison. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aux Africains, et aux Africains en général, de cesser de se placer à un niveau, il faut avoir à un moment donné le courage de parler à un discours de réalité. Le discours de réalité aujourd'hui, il consiste à ne pas faire appel à l'autre. Mais on a besoin de sortir de cette spirale de violence. Et pour moi, cette spirale de violence, elle est justement à Haïti, pour en sortir. Et en fait, cette main tendue-là, pour en sortir, bizarrement, parce qu'il faut suivre mon raisonnement, elle serait de ce côté-là. Elle serait une Afrique qui fait appel à sa diaspora. Elle serait une Afrique qui n'a pas honte. Elle serait une Afrique décomplexée et qui va chercher effectivement l'aide ailleurs. Mais on pourra continuer, je vais laisser la parole. Merci. Alors, oui, nous remercions vivement Madame Adissa Alira. Nous l'avons déjà présentée tout à l'heure pour son intervention. Ce que nous allons faire, maintenant, il est possible de projeter en fait des documents. Donc, si elle veut répondre aux questions tout à l'heure, elle pourra effectivement projeter certains éléments quand on aura fait la série question-réponse. Mais je préfère en fait qu'on enchaîne avec les exposés
Et ensuite, on répondra d'emblée aux questions. Donc, préparez vos questions, notez-les pour ne pas les oublier. Et ensuite, on fera une seule série. Et comme ça, on n'aura pas de difficulté à faire la fête, hein, et après. Donc, je crois que je vais passer la parole à notre professeur qui nous vient de l'université italienne, à savoir Monsieur Bongolo Jean-Félicien, alias Massengo Ma Bongolo, que nous avons présenté comme professeur à l'université Ulivo de Reggio Emilia en Italie. Donc, voilà, cher professeur, vous aurez aussi 15 minutes donc, d'exposer, puis après, nous passons à... Alors, aujourd'hui, on va manger le fils du léopard. On va manger le fils du léopard. Ben, je disais tantôt qu'on va manger le fils du léopard. Et on a que 15 minutes pour manger le fils du léopard. Permettez que je tourne mon chapeau. On va manger le fils du léopard parce que retourner en Afrique est devenu une énigme. On se pose mille et une questions pour repartir chez soi. On m'avait dit, Monsieur Massengo, nous allons fêter la journée, les 219 ans de Vertière. Et je devais le faire par vidéoconférence. Et à la fin, mon frère ici présent, Monsieur Eric Deng a dit « Tata Massengo, est-ce que ce n'est pas toi qui nous a souvent dit que ton grand-père t'avait dit de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu ?» J'ai dit « Si, mais c'est l'occasion de venir le leur dire. » C'est pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui grâce à ce monsieur. J'ai dit une fois de plus qu'on va manger le fils du léopard, simplement parce que dans la loi, les lois LWA, dans le vaudou, pas LOIS, mais LWA dans le vaudou, dans les lois, on dit il faut chevaucher le mystère. Curieusement, c'est le mystère qui m'a chevauché. Très souvent, quand on entend parler cela, on a souvent l'impression de dire « Ah oui, mais c'est des choses lointaines, ah, c'est des choses je ne sais comment. » Malheureusement, sans le vouloir, les lois, les mystères m'ont chevauché. Je veux vous en parler bientôt. Et puis après, on va passer au retour en Afrique qui est devenu une énigme. Mais avant tout cela, je voulais remercier Monsieur Odonor, qui m'a invité pour être avec vous aujourd'hui. Je vais remercier l'université Paris 8 qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver. Je remercie naturellement vous qui avez pris la peine d'être avec nous aujourd'hui. J'ai dit que c'est un mystère qui m'a chevauché. Parce que simplement, deux jours avant d'atterrir en Haïti, à l'aéroport Toussaint Louverture de Haïti,
Je ne savais pas que je devais aller en Haïti. Je partais en Guadeloupe. Depuis une année, je me préparais pour aller en Guadeloupe. C'est toute une histoire. Alors, avant donc de manger le fils du léopard, parce que j'avais dit qu'on devait manger le fils du léopard. Avant de manger le fils du léopard, j'aimerais vous dire qui je suis. Quand vous allez au Congo, des enfants jusqu'au président de la République, quand vous demandez, monsieur Masengo Mambongolo, on va vous dire, allez le voir au théâtre là-bas. On ne va pas vous amener aux affaires étrangères, où j'exerçais, mais on va vous amener au théâtre. Parce que Masengo Mambongolo est synonyme d'homme de culture. J'anime un festival qu'on appelle Malakima Congo. Ce festival, nous le faisons en Afrique, en Europe et en Amérique. En 1994, nous avons reçu au Congo des Guadeloupéens qui sont venus à la recherche de leurs racines. Ils sont venus au festival Malaki et c'est eux qui m'ont fait comprendre. Attention, le Malaki, il est attendu chez nous là-bas. Dans les Amériques, dans les Caraïbes, le Malaki est attendu là. Nous sommes là en 1994. Et c'est en 2001, je n'avais pas, j'étais déjà en 2000, j'étais en Europe, et en 2001, je n'ai pas pu aller. C'est donc une autre personne qui nous a représenté en Guadeloupe. Et moi, donc, je me préparais pour aller en Guadeloupe en 2002. J'ai payé mon billet, je suis venu à Paris, je vais prendre mon avion. Mais 4 jours avant, je dis, non, il faut que je demande un peu, c'est quoi ce monde-là, comment on fait? On me dit, non, toi tu peux parler en Guadeloupe. Je dis, mais pourquoi? Ah non, tu ne vis pas en France. Je dis, ah non, il faut un visa pour aller en Guadeloupe. Je dis, oh, mais je suis en France, la Guadeloupe. C'est la France. On dit non. Là-bas, c'est Tom Dom, Dom Tom, Tom Tom Tom. C'est là-bas. Je dis, ah! Mais qu'est-ce que je dois faire? Non, il fallait déposer ton dossier 45 jours avant. Je dis, mais moi, mon billet que j'ai, il y a une année, il va expirer là bientôt. On me dit, il faut aller en Italie, là où tu vis, pour aller prendre ton visa. Je dis, ah, j'ai sauté dans le premier train, je suis allé à Milan, j'arrive, on me dit, non, mais ça c'est le vendredi, hein. Moi le lundi, si je ne voyage pas, le billet est perdu. On me dit, non, férié, à l'ambassade de France, au consulat de France, on ne travaille pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, il y a un ami qui dit, moi j'ai ma soeur mariée à Port-au-Prince, qui peut vous recevoir. Je dis, ah! J'ai appelé, il dit, mais tu peux venir. Je ne suis pas, elle était à Miami, mais mon mari est là à Pétionville, il pourra vous recevoir. Et c'est comme ça. On dit, il faut aller prendre le visa. Je suis allé prendre le visa. Et la dame qui me reçoit, une blonde lombardaine et lombardine, elle me dit, vous voulez aller où? Je veux aller en Haïti. Je dis, mais personne ne va en Haïti. Je dis, mais si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. Elle dit, mais il n'y a pas de sécurité en Haïti. Je dis, madame, s'il vous plaît, madame. Vous avez vu mon passeport? C'est écrit Congo. Là-dedans, il y a Congo, il y a la guerre là-bas. On dit une guerre ethnique, mais elle se fait avec des moyens modernes. C'est des agents de guerre, des hélicos de guerre. Donc la guerre de Haïti, je la connais.
Il y a la pauvreté en Haïti. Je regarde encore, je dis, madame, vous avez vu ma peau? Elle est noire. Dit-on que la pauvreté est noire. Donc la pauvreté de Haïti, c'est ma pauvreté. Il dit, bon, écoutez, venez, il était 10 heures, venez à 13 heures voir le consul, et puis vous allez voir. Je suis allé, le consul m'a donné le visa. Il m'a dit, vous avez entendu ce que madame a dit? Si vous, vous voulez aller, je vais m'en partir, mon Dieu. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, il m'a donné le visa, j'ai sorti 30 000 lire en ce temps-là. Je lui donne les 30 000, je lui donne les 30 000 lire, il dit, gardez ça, vous allez donner aux pauvres haïtiens. J'ai fermé les yeux, je lui ai regardé. Je suis allé à la gare, j'ai pris le train, Paris, l'aéroport, et je me suis retrouvé. Le lendemain, j'étais à l'aéroport pour sa l'ouverture de Port-au-Prince. On m'a reçu, on me dit, vous venez du Congo, l'Afrique, mais vous venez ici me voir. Il y a mes frères ici qui sont venus il y a 5 siècles, je veux les voir. Ah. Il va appeler le lieutenant vient, je lui répète la même chose, il dit, vous avez des gens qui attendent? Oui, il y a le professeur Bona, paix à son âme, qui est là, il nous attend, il m'attend, ainsi de suite. Et c'est comme ça, il a dit, écoutez, selon la loi de Dessalines, si tu restes ici pendant 48 heures, tu peux aller chercher ton permis de séjour. Et c'est comme ça que je suis rentré en Haïti. Le deuxième jour, on m'amène voir le professeur Philippe Lerebourg. Mais avant d'aller voir le professeur Philippe Lerebourg, je me suis rendu compte que les gens que je voyais, ils me ressemblaient. Les gens que je voyais me ressemblaient. J'ai cru même voir mon frère, là, mon grand frère, mais je dis, mais ce ne sont pas les habits de mon grand frère, celui-là. Donc, c'est comme ça que j'atterris en Haïti. Et monsieur, pour paix à son âme, le professeur Bonalemba qui me reçoit, il dit, Haïti est une Afrique en miniature, à la dérive sur l'Atlantique. Ah, mais jusqu'à quand Haïti va continuer à aller à la dérive? Le lendemain, on me mène voir le professeur Philippe Lerebourg, directeur du musée de l'art haïtien. Et le professeur Philippe Lerebourg, on a parlé, après, à haute et intelligible voix, il dit, mais j'ai travaillé pendant 5 ans au Congo. Et selon les archives de Haïti, 75% des Haïtiens sont originaires des terres Congo. Mais pourquoi seulement le vaudou? Il le dit comme ça. Moi, c'est une phrase que j'attrape. Et cette phrase-là, elle devient mienne. J'avais dit qu'on devait manger le fils du... Mais attention, le léopard est un animal solitaire et il vit dans les branches. Et le léopard en mange. Tu ne peux pas t'amuser d'aller manger le fils du léopard. C'est plutôt le contraire qui va se passer. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que nous sommes allés à Jacmel pour participer au vaudou, aux cérémonies du vaudou, que nous sommes revenus. 9 jours après, on a organisé le premier festival Malakima Congo au Collège de l'Étoile à Port-au-Prince. Et après, j'ai pris l'avion, je suis reparti. Ça fait 10 fois que je suis allé en Haïti. Depuis cette voie-là, 10 fois, je suis reparti en Haïti. Parce que tout le temps, il y avait une action qui suivait à une autre. On me dit, mais l'année prochaine, c'est le bicentenaire de Haïti. Je dis, ah, mais comment ne dois-je pas aller au bicentenaire de Haïti?
La vidéo est là, que nous avons, que j'ai tournée au bicentenaire de Haïti. La vidéo est là. Et petit à petit, de fil en aiguille, on est parti jusqu'en 94. On m'a donné combien de minutes? 15 minutes. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Parce que d'habitude, avec notre petite chaîne de télé Malaki Afro Congo TV, quand je parle de Haïti, c'est 2 heures. Et aujourd'hui, on veut que je puisse parler de mon aïeul. Capo à la mort. On veut parler de mon aïeul, capo à la mort. Et on me dit 15 minutes. C'est de la provocation. Alors, je me suis vu avec Ati Max Beauvoir beaucoup de fois. Et la 6e fois, quand il a su, parce que quand j'allais toujours, des amis du Vaudou m'avaient adopté. Donc quand je vais, je suis à Montagne Noire. Hein, Pétionville, Montagne Noire, là-bas, c'est chez moi. Et nous avons créé une dizaine d'antennes dans le Malakima Congo en Amérique. Nous sommes en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, Saint-Domingo, Haïti, Venezuela, Guyane, Chili. Partout là, c'est chez moi. Partout là, c'est chez moi. J'ai traversé l'Atlantique près de 15 fois. Aller à la recherche de ce qu'on doit voir. Ce n'est plus une énigme pour moi, aller à la recherche de mes ancêtres, de mes parents qui sont là-bas. Alors, le professeur Philippe Lerebou, quand on se voit, quand il apprend que M. Massengo est là, il dit à Ougon, Elien Isaac, il lui dit, il faut dire à M. Massengo de ne pas quitter Haïti. Ah, pour ceux qui ne savent pas, Ati Max Beauvoir, hein, pour que ceux qui ne savent pas, Ati Max Beauvoir, il n'est plus malheureusement, c'est la sommité du vaudou haïtien. Parce que le vaudou tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est plus ou moins lui qui l'a codifié. Alors, monsieur, il me dit, il faut dire à monsieur Massengo de ne pas partir. S'il ne me voit pas, il ne faut pas qu'il quitte le sol haïtien. Il dit, ah, on s'est déjà vu au moins 5 fois. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Moi, j'étais à Jacmel. Je vais au Cap, je vais à Bois Caïmont, je vais là. Je vais à, où c'est Vertière, là. Je vais à Vertière. Je suis ici, là. Au palais sans souci. Et je continue. J'étais là-bas, comme on a dit, citadelle. On me dit non. Ati Max Beauvoir a encore appelé. Il dit, avant de partir, il faut qu'on se voit. Je dis, moi, je dois d'abord aller à Gonaïve. Je dois d'abord aller à Gonaïve, à Soukri. À Soukri. Souvenons, Soukri. J'ai le vieux Dienguele, et puis après, on est parti là-bas. Toute la nuit, on a parlé le Kikongo. Monsieur Dienguele est un professeur congolais qui est installé en Haïti bientôt 40 ans, ainsi de suite. Et puis après, j'ai continué sur Port-au-Prince. Je suis allé voir Monsieur Ati Max Beauvoir. Monsieur Ati Max Beauvoir recevait ce jour-là, Rara, un groupe haïtien, mais qui est basé à Californie, à Atlanta, comme ça. Atlanta, non. La ville de Californie, là. San Francisco? Oui, ils sont basés là-bas. Il les a fait attendre. Il dit, Monsieur Massengo, viens d'abord. Nous avons parlé. Il m'a parlé comme il ne m'a jamais parlé. Quand je suis revenu, une année après, on me dit,
M. Atim Max Beauvoir n'est plus. J'ai compris que M. Atim Max Beauvoir voulait laisser un message. Il voulait s'adresser au monde. Mais pour le faire, il fallait le faire en s'adressant à quelqu'un qui comprend, qui connaît la culture haïtienne, mais aussi la culture Congo. Pourquoi ? Parce que M. Atim Max Beauvoir, Atim Max Beauvoir, Ati veut dire un gros arbre qui protège tous les autres. En congolais, l'arbre, comment on l'appelle ? Si au Bénin, l'arbre veut dire Ati, au Congo, l'arbre veut dire Mouti. Mouti ou bien Mouti. C'est-à-dire, pour comprendre certaines choses dans la culture haïtienne, si tu ne connais pas les langues africaines, si tu ne connais pas les langues parlées par la majorité de Haïtiens, c'est un coup d'épée dans l'eau. Quand il me reçoit, il me dit, après on est allé parler avec les autres artistes là, ceux qui venaient des Amériques, il me dit, moi je ne l'appelle pas Masengo Mambongolo, je l'appelle Masengo Makongolo. Congolo c'est quoi? Congolo c'est quoi? Congolo. Il y a des Haïtiens ici? Oui. Congolo, c'est quoi? Voilà, Congolo. Congolo, c'est mille pattes. Congolo, c'est mille pattes. Ok. Congolo, donc, je disais, c'est mille pattes. Bien, on me demande d'arrêter. Mais ça, c'était juste pour dire. C'était juste pour dire que quand on veut repartir en Afrique, moi, quand j'ai voulu aller voir mes parents, que je ne vois plus il y a cinq siècles, je n'ai pas demandé quoi que ce soit. On me dit, il y a l'insécurité, je dis, c'est mon insécurité. Il y a la pauvreté, c'est ma pauvreté. Je suis un. Et ça serait de même pour tout le monde. Imaginez que le général Dessalines apparaissait ici et qu'il vous regardait dans les yeux pour dire, qu'est-ce que vous faites ici? Une énigme sur le retour de Haïti. Sur le retour aux origines africaines. Mais il va vous couper les têtes tout ça. Vous le connaissez, non? Ce retour-là, il doit être spirituel. Ce retour-là doit être spirituel. Dis-moi quel Dieu tu adores, je te dirai qui tu es. Si tu es un esclave ou un homme libre. Ce retour-là doit être un retour intellectuel. Dans ce sens, qu'on vous a dit que Moïse, que veut dire Moïse? C'est enfant sauvé des eaux. Mais dans quelle langue sauver un enfant de l'eau voudrait-il dire Moïse? Pourquoi ces hommes-là, intellectuels qui ont écrit la Bible et qui connaissent tout ça, pourquoi ils ne nous ont pas amenés à comprendre quelle était la langue que parlait le pharaon qui a donné le nom Moïse à Moïse? Moïse, qui veut dire Moussa en arabe, Munza en langue Congo, ça veut dire dans l'eau. Moïse est un nom Congo. Le retour, non seulement qu'il doit être intellectuel, ce retour doit être identitaire. Quand Kalala Omotunde, qui va se retrouver devant les ancêtres, qui vont mettre son cœur d'un côté et la plume de l'autre, ils vont l'appeler, pas par un nom d'esclave, ils vont l'appeler Kalala Omotunde. Et déjà au moins, il a 80% de chance pour passer. Ce voyage, donc, il doit être identitaire. Il doit être identitaire. Ce voyage,
Il ne faut même pas se poser des questions. Tu prends ton baluchon, tu es parti. Il y a au Bénin, la famille Dia sont venus de Guadeloupe. Ils se sont installés là. Et quand je suis allé au Bénin pour la deuxième fois, ils ont créé une école là-bas. Un enfant de 13 ans m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ces Rastaman vous apprennent ici? Il dit, ces Rastaman là nous apprennent à reconnaître notre identité et à la défendre. L'enfant avait quel âge? 13 ans. Il y a des universitaires ici qui ne savent même pas reconnaître leur identité et là, défendre. Il y a qui? Il y a Bob Marley. Il va mourir. Mais il dit à sa femme, prends mes locks, amène-les dans le fleuve Congo. Madame Rita Marley est venue avec les locks de Bob Marley. Ils ont fait des libations, une belle prière, ils ont jeté les locks dans le fleuve Congo. Il est reparti. Qui c'est le trompettiste là? Quand il est mort, ses cendres, on les a amenées au Ghana. Ainsi de suite, c'est seulement pour dire que, excusez-moi de vous le dire, nous faisons honte à nos ancêtres. Nous sommes la honte de nos ancêtres. Il y a des mots qu'on ne doit plus prononcer. Sinon, je vais vous faire manger le fils du... Merci à vous. Nous remercions vivement professeur Massango pour son intervention qui est quelque part plus une expérience, hein, expérience du lien. Et apparemment, ce n'est pas le retour aux origines africaines, mais c'est le retour aux origines caribéennes, haïtiennes de notre frère Congo, parce qu'effectivement, dans l'ouvrage qui s'intitule alors c'est pas Haïti, c'est problème, c'est l'ouvrage de Paris en 1988, Les Marrons de la Liberté, 51% à peu près, en tout cas au moins, d'Haïtiens sont d'origine du Royaume Congo, ça c'est pour sûr, et on a des références là-dessus, et à partir de ce moment-là, on comprend bien que depuis, on va dire qu'on commence à prendre l'Artibonite et le Plateau Central et pour monter jusque vers le nord, les Congos sont là. Et le poids Congo, on n'oubliera pas, ça vient aussi de ces origines-là. Donc, il faut bien qu'on le signale. Donc, l'Afrique est là-bas. Et lorsque le professeur a dit aussi que Haïti, on lui a dit qu'Haïti est un... Et c'est-à-dire, c'est une sorte de... C'est l'Afrique concentrée quelque part. Ce n'est pas faux parce que quand on lit cet ouvrage aussi, on peut compter au moins 100 ethnies africaines qui se retrouvent là-bas, au moins. C'est-à-dire peut-être même qu'il y en a plus que ça, et il y a des pays africains qui n'ont pas 100 ethnies africaines. Donc, vous comprenez bien ce qu'il y a. Alors, nous remercions le professeur. Donc, s'il y a des questions aussi, c'est pour tout à l'heure. Jacques-Mézi va souffrir un peu. Et c'est comme ça pour son frère, son cousin, et peu importe. Donc, non, mais nous lui donnons ces 15 minutes aussi. Donc, c'est nous qui allons souffrir par rapport aux questions. Parce que, de toute façon, tout à l'heure, on va passer à la partie culturelle. Et il nous faut terminer, en fait, on va dire, avec toute la série culturelle et exposée à 19h. Donc, du coup, on a un peu de temps quand même. Il faut qu'on le signale, mais on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas trop. Donc, Jacques-Mézi, c'est à ton tour pour ton exposé. Merci. Jacques-Mézi préfère être pasteur. Non, je ne vois pas trop bien. Bon, bonsoir, merci d'avoir fait le déplacement. Merci aux gens qui ont renouvelé cette démarche qui remonte à plus de 4 ans. Il y a eu le Covid, et puis je pense qu'il a eu aussi quelques inconvénients qui l'ont empêché de renouveler cette initiative. Et le thème me paraît assez intéressant. D'ailleurs, le professeur, tout à l'heure, vient de donner l'illustration. Haïti, l'énigme du retour aux origines africaines. Mais ce qui m'interpelle, c'est d'abord le terme énigme, c'est-à-dire qu'il y a un problème à résoudre. Et que pour résoudre ce problème, il faut d'abord le poser. Et comme le professeur a soulevé, il se demande pourquoi la question est posée.
énigme du retour aux origines africaines. Alors, le sujet évoque un projet d'engager le retour aux origines africaines, c'est-à-dire la tradition, la culture et l'anthropologie africaine. Mais de quel retour s'agit-il ? Le professeur l'a indiqué tout à l'heure, il s'agit d'un retour spirituel. Et que chaque Haïtien toujours dit, eh bien, on est venu de la Guinée. Mais cette Guinée, elle est dans l'imaginaire. Parce que, bon, tout à l'heure, docteur Josué et Pierre viennent de dire que la grande majorité des Haïtiens viennent du Congo. Mais pourtant, on ne dit pas on va au Congo, mais en général, on dit qu'on va en Guinée. Et que finalement, cette traversée vers la Guinée ne peut être assurée qu'après la mort. Donc, elle n'est pas physique, elle est immatérielle. Mais de l'autre côté, il faut se poser la question, quelle est donc la relation des Haïtiens avec cette terre qu'ils habitent, étant donné qu'ils sont tous en transit. Et on le voit en général, hein, c'est le rêve d'ailleurs de tous les Haïtiens aujourd'hui, les plus jeunes d'ailleurs, ils partent tous, soit avec la République dominicaine, le Chili, etc. Prise en tenaille, c'est vrai, par les questions sécuritaires et les questions liées aussi à la dégradation de l'environnement politique. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de relation d'extranéité, c'est-à-dire cette terre habitée par les Haïtiens, on dirait que cette terre ne leur appartient pas, puisqu'ils doivent tous partir en Guinée. Autrement dit, ils n'ont donc pas cette responsabilité de garder, de protéger cette terre dans l'état où ils l'ont trouvée. C'est peut-être ce qui explique cette dégradation de l'environnement physique et de l'environnement politique, étant donné que l'Haïtien sait que cette terre qu'il habite ne lui appartient pas et qu'il est donc en transit. Mais ce qui a suscité ma réflexion, c'est de comprendre comment cette relation des Haïtiens avec l'Afrique, comment cette relation elle est vécue depuis l'indépendance et même jusqu'à aujourd'hui. Et je vois une relation d'ambivalence. C'est-à-dire, après l'indépendance, le retour vers l'Afrique, je dirais, c'est un retour contrarié. Un retour contrarié, bon, il faut se reporter aux années qui ont suivi l'après indépendance. Et que être africain, c'était dévalorisant en Haïti à l'époque. Parce que le terme africain, comme l'a souligné Gérard Barthélemy dans son ouvrage « Les créoles et les boussales », le terme africain n'était réservé qu'aux nouveaux libres, qu'à ceux qui viennent d'arriver dans la colonie. Ils ont à peine 20 ans. Ils n'ont pas encore eu l'expérience de la pratique esclavagiste. Et qu'ils sont en opposition avec les anciens libres, c'est-à-dire les anciens affranchis, c'est-à-dire les Noirs, les Mulâtres, qui, eux, ne se reconnaissent pas comme étant les frères de ces Africains. D'ailleurs, Dessalines n'a-t-il pas dit « Et ces Noirs venus d'Afrique, qu'est-ce qu'ils en auront dans la répartition de la terre ?» Autrement dit, il y avait une lutte entre ces Africains, c'est-à-dire ces nouveaux libres, et les anciens libres, parce qu'on ne les a pas reconnus en tant que tels, c'est-à-dire comme étant des Haïtiens à part entière, insérés dans la société haïtienne. Donc, d'ailleurs, on va le voir, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est une tare. Et que cette séparation est donc établie entre Africains et les autres. Et on va le voir, cette séparation, à travers le problème de la main-d'œuvre, ce problème qui va se poser tout de suite après l'indépendance, puisque la grande majorité de la main-d'œuvre haïtienne, elle a été consommée par les guerres coloniales. Une bonne partie de la population a été décimée. Il ne restait que les jeunes. Or, ces jeunes, c'est-à-dire ces nouveaux libres ou ces Africains, comme on les appelle à l'époque, ne voulaient pas se soumettre à un régime de travail aussi rigoureux. D'où la question de faire appel à une autre main-d'œuvre qui serait venu d'Afrique. Donc,
dans les notes, Mackenzie Charles, par exemple, dans les notes sur Haïti, il explique que la partie la plus jeune des gens vivant en dehors des villes ne semblait passer l'essentiel de son temps à flâner sans but apparent. Je cite le rapport de Mackenzie Charles. Le peu de travail qui est fait dans les champs est en général accompli par les anciens et plus particulièrement par les nègres de Guinée. Fin de citation. Donc, cette main-d'œuvre agricole constituée de jeunes Africains nés et grandis en dehors d'un système esclavagiste qu'ils n'ont pas connu pose problème puisqu'ils ne sont pas soumis à la rigueur du travail. Et ce problème de la main-d'œuvre, qui est un problème récurrent puisque même Toussaint Louverture l'avait évoqué dans son projet de constitution, dans son article 17, il prévoit même de faire appel à la main-d'œuvre africaine, pour maintenir le niveau de la production agricole. Et l'historien Beaubrun Ardouin explique que ce problème a été posé aussi par Dessalines, Henri Christophe, et ils avaient cette tendance à introduire des Noirs d'Afrique par la traite, et même entrer en pourparlers à ce sujet avec les Anglais sous le prétexte d'augmenter leur armée pour avoir des nouveaux cultivateurs plus abrutis que les anciens. Et je ne vais pas suivre d'autres considérations, mais il y a beaucoup de témoignages qui prouvent que cette préoccupation de la main-d'œuvre africaine, même après l'indépendance, elle a été au centre de la politique de Dessalines, de Christophe et même de Pétion. Et à côté de cette main-d'œuvre directement importée d'Afrique, on note sous Dessalines une volonté affirmée de faire rentrer au pays les fugitifs noirs de Saint-Domingue, réfugiés aux États-Unis. Et même sous Boyer, il envisageait l'accueil de plusieurs milliers de Noirs américains affranchis que les sociétés philanthropiques des États-Unis encourageaient à aller se fixer en Haïti. Donc on voit bien, cette image d'Africain, elle est complètement négative après l'indépendance. Mais cette image, cette représentation négative, elle va être travaillée par l'opposition entre l'élite haïtienne qui est occidentalisée et les masses noires considérées comme aujourd'hui comme étant les paysans. Alors, cette élite occidentalisée civilisée, qui s'appelle élite civilisée parce qu'elle a été formée en France, considère que l'Africain, lui, ou le paysan, c'est le sauvage, et que lui, il fait partie du monde civilisé. Et cette fracture entre les Africains, les affranchis noirs et les nouveaux libres, comme je vous le disais tout à l'heure, va donc susciter une autre fossé entre l'élite haïtienne qui considère que ces boussales sont à l'état sauvage et que les créoles sont civilisés. Les créoles, ce sont donc les anciens libres et que les boussales, ce sont donc ceux qui viennent d'arriver dans la colonie et que l'indépendance va avoir lieu et que ces boussales n'ont pas pu être insérées, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'ordre esclavagiste. Et que le sauvage africain est jugé comme étant un signe d'obscurantisme et de honte, et l'élite haïtienne occidentalisée tend à prendre ses distances envers le sauvage africain. D'ailleurs, Stanlio Vincent, ancien président d'Haïti, intellectuel brillant, d'ailleurs, voici ce qu'il comment il écrivait cet Africain, comme on l'appelle par la suite, ce paysan, comment il le décrit avec dédain. Je cite Stanlio Vincent. En parlant du paysan africain. Je cite, « Enfantin et craintif, phénoménal de faiblesse, d'impuissance et d'ignorance, très doux, très passif, sans envie, sans désir, sans besoin, d'humeur égale, instinctive, riant toujours de ses belles dents blanches, aussitôt qu'on lui parle, riant de tout, d'un ordre bref qu'on lui donne avec indifférence, d'une réprimande, d'une plaisanterie, de quelques cornes qu'on glisse entre ses mains cailleuses, d'une menace de coups, riant même sous le coco macaque, il reste animal et végétatif, avec un air d'avoir peur de penser et d'oser croire qu'il est un homme. » Je cite toujours Seigneur Vincent. « Aucune lueur encore dans la nuit compacte des âmes de ces gens, des morts. Que serait-il? Quel avenir réservé à cette chose humaine ?» Fin de citation. Voilà comment un intellectuel haïtien décrit donc cet Africain, ce paysan. Je poursuis même Dr. Weissmann, ce qui, dans la préface du livre de Jacques Roumain, La montagne ensorcelée,
et Dr Jean-François Sécuy, je cite, « Le primitif est presque obligatoirement mystique, mais ce qui donne une saveur particulière au mysticisme du paysan haïtien, c'est la confusion qui s'est établie entre les mystères de la religion chrétienne et les mystères de l'animisme africain. » Donc on voit bien à travers ces récits de ces sociologues ou bien d'autres anthropologues, le glissement est facile à observer et que l'élite occidentalisée fait du paysan de l'Africain le sauvage et qui doit faire un objet d'éducation, puisque même en 1956, dans la revue Éducation rurale, dans le numéro 1, on prévoit qu'il faut civiliser cet Africain par l'école rurale, je cite, qui est destinée à arracher le paysan des griffes de la superstition et des déchéances qu'engendre de l'ignorance, fin de citation. Donc on voit bien toute la distanciation. Maintenant, c'est la représentation négative projetée de l'Afrique, elle s'explique par le fait aussi qu'il y a eu un ensemble de récits, ce qu'on appelle de la littérature coloniale, des récits des romanciers, des explorateurs français, qui décrivent une Afrique qui correspond à leur fantasme. Très souvent, quelques-uns de ces romanciers ne se sont pas rendus en Afrique, mais ils ont eu des représentations négatives sur l'Afrique. Alors, Jean Casimir, dans son essai « Haïti et ses élites, dialogue de sourds », montre bien que le système, justement, de la plantation coloniale va expliquer encore aujourd'hui cette différenciation, cette incapacité à intégrer le paysan haïtien dans la société haïtienne, et compte tenu de ces représentations négatives projetées par l'Afrique. Alors, ce qu'on pourrait tenter de dire aussi, c'est que ces représentations négatives par l'Afrique, il y en a d'autres représentations qui ne sont pas celles du 19e siècle, mais d'autres. Et par exemple, l'Afrique déçoit Haïti, c'est-à-dire après les années 1960, on pensait que la colonisation pourrait constituer une période de modernisation pour les régimes politiques africains. Tel n'est pas le cas. On voit bien qu'il s'agit des monarques arrivés au pouvoir à l'occasion des coups d'État et certainement avec la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale. Et on voit donc d'ailleurs émerger une littérature, ce qu'Alain Mabankou appelle une littérature contre les dictatures, va voir le jour. D'autres images négatives qui expliquent ce retour contrarié, c'est que l'Afrique n'a pas prolongé le projet d'émancipation des peuples soumis au joug de l'esclavage. Premier pays noir à proclamer son indépendance à l'issue d'une guerre coloniale contre l'armée française. Cette spécificité est certes saluée par les rapports entre les dirigeants et le peuple. On voit bien que la gouvernance qu'adopte un certain nombre de régimes africains va tordre le cou à ce projet d'émancipation qu'ils auraient pu prolonger en dehors d'Haïti. Le retour vers l'Afrique est obstrué également par la charge liée à la responsabilité de la traite. Ça, on sait très bien. Et que cette responsabilité de la traite n'est pas seulement imputable aux Africains, puisqu'on sait très bien qu'il y a des villes françaises de Saint-Malo, de La Rochelle, de Bordeaux, et qui ont une part active à ce commerce triangulaire. Mais la représentation, la responsabilité, elle est aussi imputée et aux Africains, une sorte de tragédie à laquelle ils ont pris part, et puisque selon certains rapports, il y a eu évidemment des acheteurs et des vendeurs. Alors, les acheteurs, on sait très bien, le Portugal, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, et notamment le Portugal qui a acheté 4 650 000 esclaves, l'Angleterre, 2 600 000, l'Espagne 1 600 000, la France 1 250 000, mais il y a eu aussi des vendeurs. Les vendeurs, le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, 2 250 000 esclaves vendus, la Côte d'Ivoire, le Ghana, 1 750 000, la Côte des esclaves, Togo, Bénin, 2 millions, Nigeria, 2 millions, Cameroun, Gabon, Congo, Angola, 4 millions. Autrement dit, 13 millions ont quitté l'Afrique et selon ce qu'a établi Blanpain dans ses notes sur les dettes de l'esclavage. Alors, tout ceci est pour vous montrer que comment ce retour vers l'Afrique à un certain moment évolue en fonction de la période, mais c'est une lecture assez ambivalente, puisque de notre côté, on voit bien que ce retour vers l'Afrique s'est posé par survie
et par nécessité. Par survie, parce que face à l'occupation américaine et à la perte des repères observés en Haïti, les intellectuels haïtiens ont donc recouru à l'Afrique comme étant une source de survie. 1915, l'occupation d'Haïti par les Américains poussera les intellectuels à valoriser leurs propres traditions, à célébrer leur folklore, leur mythe, leur paysage, leurs racines africaines, et par conséquent à entamer une importante révolution culturelle. Il faut le rappeler, par exemple, la revue La Ronde, la revue de la Ligue de la jeunesse haïtienne, la Nouvelle Ronde, la revue indigène, les Griots. Tout ceci participe à une sorte de reconquête vers l'Afrique. Et deuxième élément, pour souder cette reconquête, c'est la négritude. Ce concept, c'est vrai, et qui fait exploiter et par les Césaires, Senghor, mais il faut le rappeler, ce concept est d'abord né en Haïti, et que cette négritude est née comme refuge, comme réponse à l'assimilation culturelle, et c'est aussi une arme miraculeuse pour la libération et la reconnaissance de la pensée noire. D'ailleurs, notamment, ce retour aussi vers l'Afrique va s'imposer comme étant un élément de survie. Jean Brassens va écrire La vocation de l'élite, où il appelle les élites à prendre leurs responsabilités et à s'engager pour l'éducation véritable des masses et à couper court à cette discrimination qui existait, comme je l'avais souligné tout à l'heure, entre l'Africain et le paysan. Et ce que propose Brassens, c'est l'idée d'une citoyenneté élargie qui parle du fait qu'il y a une culture importante de la société haïtienne, cette culture qu'on a banalisée, qu'on a ignorée, et que cette culture doit être valorisée, et explique Brassens, en même temps, appelle les élites à assumer leurs responsabilités. Et puis, il y a quatrième élément qui explique comment ce retour va s'imposer, c'est le panafricanisme. Et l'historien Hamza Boukari Yabara a montré comment Haïti a joué un rôle important dans ce panafricanisme. Et d'ailleurs, à côté de Marcus Garvey, de W.E.B. Dubois, et Hamza a montré que l'objectif du panaméricanisme n'est pas seulement de faire savoir au monde que les Noirs existent et qu'ils ont des droits, mais aussi de lutter activement et efficacement contre la ségrégation et les discriminations raciales dont les minorités noires sont victimes un peu partout, notamment aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et que cette reconnaissance et cette lutte contre la discrimination va s'imposer grâce à Haïti. En donnant à l'histoire de nombreuses figures, aussi comme l'homme d'État Antenor Firmin, et aussi comme le journaliste et militant Benito Sylvain, on se rappelle le rôle qu'a joué Benito Sylvain, qui était conseiller du roi, donc Haïlé, le Néguès Ménélique, et qu'il aurait aussi conseillé dans ses relations avec les puissances européennes. Donc Benito Sylvain va jouer un rôle très important à ce rapprochement d'Haïti avec l'Afrique. Et par la suite, sixième élément, ce sont les relations que construit Haïti avec certains chefs d'État. Par exemple, avec Haïlé Sélassié, également, qui va effectuer sa visite en Haïti. Également, on voit bien, et récemment, et autre manifestation, c'est après le tremblement de terre, le Sénégal a marqué sa solidarité vis-à-vis d'Haïti et a facilité l'octroi de l'entrée de 163 boursiers qui ont été sélectionnés après un concours organisé à Port-au-Prince. Autre élément qui prouve que ce retour s'est donc réalisé, et pour faire court, et là, ce retour n'est pas seulement spirituel, il est physique. C'est le retour vers l'Afrique à travers la coopération des Haïtiens au Congo. Puisqu'on sait très bien, vers les années entre 62-63, 556 professeurs ont été recrutés pour participer à l'éducation des jeunes Congolais et que la bonne majorité était des Haïtiens. La bonne majorité des Haïtiens, parce qu'il y a deux Haïtiens qui étaient à la tête de la mission UNESCO au Congo qui ont pu réaliser ce projet, c'est donc Maurice Dartigues, l'un de ceux qui a joué un rôle très très important et dans cette coopération entre l'UNESCO et les Haïtiens au Congo. Alors cette fois, on peut le dire, ça c'est un rêve qu'avaient les Haïtiens, et là je termine par là, ce rêve qu'avaient les Haïtiens, comme je le disais tout à l'heure en introduction,
et c'est leur Guinée nous tout parler, mais là, ils l'ont vécu de façon charnelle, puisque les Haïtiens, une fois arrivés au Congo, ils embrassaient le sol et ils priaient pour, comme s'ils étaient en réconciliation avec le sol congolais. Et pour les intellectuels haïtiens des années 60, l'Afrique, qui était une utopie, un mythe, une utopie, l'Afrique l'était en ce sens qu'elle représentait un paradis perdu, mais cette utopie était aussi spatiale. En effet, l'Afrique était idéalisée quand il s'agissait d'un territoire d'autant plus imprégné de mystères, comme l'a souligné tout à l'heure le professeur, qu'on en savait peu de choses. C'était une terre lointaine d'où étaient venus les ancêtres et d'où ne parvenaient que les vagues échos. Mais cette fois, les Haïtiens ont vécu dans leur chair cette réconciliation avec l'Afrique. Et lieu de mémoire pour tous les Noirs des Amériques, l'Afrique était donc perçue comme une source d'inspiration pour les Africains, les écrivains, les artistes, dont la plupart étaient des partisans du panafricanisme et de la négritude. Je termine par là, on voit bien que cette relation avec l'Afrique, elle est donc ambivalente. D'un côté, on avait tendance, après l'indépendance, à considérer l'Africain comme étant un objet lointain, humiliant, mais par la suite, au fil des années, on a bien vu que cette réconciliation s'est assurée non seulement sur le plan immatériel, mais également sur le plan charnel. Merci. Donc, nous remercions le docteur en sciences politiques, politologue et chroniqueur, etc., et auteur aussi, Jacques Nézy, pour sa prestation de ce soir. Alors, si on fait le résumé des trois interventions, nous avons professeur Massango, nous avons Jacques Nézy, nous avons également, que je ne fasse pas d'erreur dans le nom, Madame Adissa Aïra, donc professeure d'histoire également, militante afrodescendante. Donc, elle travaille aussi sur les femmes de la migration. Donc, on est quand même très bien servi aujourd'hui. On a eu trois belles interventions avec nos frères et cousins et compères, si on veut, africains, et bien sûr avec notre Jacques Nézy international. Donc, ceci dit, s'il y a des questions, et je suppose qu'il doit y en avoir, ou peut-être, vous avez une minute de réponse pour une question, et on ne va pas prendre beaucoup. On va dire, on va aller sur 5-7 questions maximum à une minute, donc ce qui nous fera à peu près 11 minutes et demie, puisque, en fait, on va donner que 30 secondes pour poser la question. Donc, s'il y en a, je vous serai gré de ne pas trop tarder, parce que l'heure avance. Et donc, on va devoir aussi passer à la partie culture. Nous avons notre saxophoniste international de renom, M. Théodat, qui est là. Nous avons notre percussionniste international très connu aussi, il est derrière. Gary se cache. Hein, donc, voilà. Et puis, nous avons aussi deux autres artistes. L'un est revenu, l'autre n'est pas encore revenu parce qu'il avait cours. Donc, c'est Erickson, donc, qui tout à l'heure nous avait aussi entretenu de leur belle prestation, de mélange, d'un mixage extrêmement intéressant et spontané aussi, donc, pour montrer effectivement la grandeur et l'ampleur de leur talent. Donc, s'il y a des questions, nous vous écoutons, il y a un micro baladeur, donc je vais prendre le micro baladeur pour que vous puissiez poser vos questions. Et nous aurons une minute de réponse par question, pas plus, et merci beaucoup. C'est bon? Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, il y a une question ici. Bonsoir tout le monde. J'avais une question qui s'adresse peut-être plus à M. Nézy. En ce qui concerne la provenance ethnique des Haïtiens, vous avez dit tout à l'heure que 51%, si je me souviens bien, seraient originaires du
Congo, mais moi j'ai souvent entendu parler du Bénin et aussi une question peut-être en corrélation, comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'Antillais qui sont attirés précisément par ce pays-là, le Bénin, en Afrique plus que les autres. Voilà ce que je voulais vous demander. Je ne connais pas beaucoup, donc je voudrais avoir vos lumières. Merci. Moi, je n'ai pas d'indication précise. Je pense que Josué avait indiqué que 80%. Dans Haïti, dans l'ouvrage des Marauds de la Liberté, ont toutes ces indications. Oui, c'est vrai, je ne sais pas. Et je n'ai pas d'indication précise notre origine. Des fois, j'entends ici ou là indiquer que ça vient de la Guinée. Je ne sais pas si ça me sert à des indications. Et je peux vous aider? Alors, lui, il a parlé de 75% d'ailleurs. Non, ce n'est pas moi. Ah, d'accord, oui. Mais. Écoute, non. Voilà, 75%, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les archives nationales de Haïti. Okay. Maintenant. Le Atib Max Beauvois m'a dit, et c'est écrit dans le livre là, sur les traces Congo dans les Amériques de Haïti, que M. Massengo, dans votre premier livre, vous avez dit que les archives disent 75%. Non, il faut voir ce chiffre à la hausse. Ça. Mais de toute façon, le Royaume Congo, il faut aussi rappeler aux gens, c'est pas que l'actuel Congo qu'on a là, c'était beaucoup plus grand aussi. Hein. Donc, là, ce Congo, là, c'est un très grand pays, mais il y a eu aussi d'autres pays qui le aujourd'hui sont simplement parce que ce sont des petits pays qui sont venus jusqu'à la mort en 1806. Exactement. Pendant 46 ans, il était interdit de prononcer le nom des Salines. Pendant 46 ans, l'œuvre et tout ce qui était fait autour de Dessalines avait été boycotté. Et pendant tout ce temps, on a créé d'autres systèmes, on a créé d'autres littératures, on a créé d'autres logiques de dire et de faire. C'est pourquoi l'homme qui est là, Kapalamor fait partie de la communauté Congo. Et pour comprendre la communauté Congo, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, l'armée la plus moderne de l'Afrique était l'armée Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez au Vatican, à la cathédrale, à la basilique Sainte-Marie-Major du Vatican, vous trouverez cet homme-là. Vous trouverez cet homme-ci au Vatican. C'est le premier ambassadeur noir. Il parlait près de 5 langues. C'était un homme très cultivé et on l'avait, il a fait 4 ans de 1604 à 1508 pour arriver au Vatican. Hein, il est parti du Congo pour arriver au Vatican. Il était là-bas parce que le roi disait, nous n'avons pas besoin de n'importe qui ici. Nous avons besoin des Européens qui viennent et qui viennent pour de bonnes choses, pas pour venir promouvoir l'esclavage. Alors, sachez que ce que j'ai vu en Haïti, moi, quand vous pouvez être, tout ça, c'est Massembo qui me l'a dit. C'est Massembo, une Guadeloupéenne que j'ai reçue en 1994 au Congo, qui me dit, tu peux être tout, mais si tu es noir, les cheveux crépus, et que tu es Congo, c'est grave. Et pourquoi ces hommes-là dont on avait besoin, pour remplacer les travailleurs dans les champs, c'était des agriculteurs et tout ça, c'était des charpentiers, des machins, parce que vous n'avez pas vu le Royaume Congo au 15e, au 16e siècle. C'était très grand. Les maisons étaient à deux niveaux, ainsi de suite. Donc, il y avait des charpentiers, des agriculteurs, ainsi de suite. Malheureusement, après le travail qui a été fait par les Kapalamor, on dit, mais qui sont ces hommes-là qui, une fois, ils mettent la main sur une garnison, ils se mettent à blaguer avec les armes comme des petits pains. Comment que des esclaves se mettent à s'amuser avec des armes? Et ces choses-là, quand on dit Congo, Congos, aïe, 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 nous devions
intellectuellement, nous devions reviser nos choses. Bon, ce n'est pas pour faire la publicité, mais ce livre-là, ça nous permet, quand vous voyez la culture haïtienne, essayez de voir ce qui s'est passé. Pourquoi les Congos se sont-ils déplacés en masse ? À Marie-Galante, en 1500, en 1850, sont arrivés 6000 Congos. Et on ne séparait plus les gens, parce que tout le monde venait de la même zone. Sachez-le qu'en 1665, le roi Congo était décapité. Et à partir de ce moment-là, c'était la guerre contre les Portugais. À partir de ce moment-là, c'était le No Man's Land. C'est pourquoi tous ces spirites, ces grands-pères, les prêtres spirituels, les Nganga sont partis, ils ont créé le Palo. Non, comment on appelle ça ? Le Pedro Lemba, c'est le vaudou aux yeux rouges, le Pedro Lemba, et ça nous a donné tout ce qu'on a vu. D'accord. Alors, nous remercions le professeur. Il y avait une question, oui, et puis ensuite, le sujet, ou du moins le titre, Haïti, l'énigme. Je profite de l'occasion pour remercier les conférenciers. Donc, ma question, c'est en ce qui a laissé la vie. Par exemple, si je reprends la thèse de Gérard Barthélémy en ce qui a trait avec la division créole-bossale, donc les bossales sont toujours au trait de l'Afrique. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que vraiment il y a un retour possible? Et s'il y a un retour, pourquoi faire ce retour? Qu'est-ce qui manque de concret aux Haïtiens pour qu'ils puissent se retourner en Afrique? Oui, dans l'exposé tout à l'heure, j'ai oublié, et bon, faute de temps, d'ajouter quelques éléments ambigus sur ce retour. On sait très bien Haïti, mais cette possibilité lui a été refusée, sous prétexte que Haïti, géographiquement, ne se situe pas en Afrique. Donc là, voilà encore un élément qui prouve, celui qui a posé la question, qui s'est déplacé, voilà encore un élément qui prouve la difficulté de ce retour, pour que ce retour ne soit pas seulement immatériel, spirituel, ou qu'il soit physique. Donc il y a, de mon point de vue, un travail, un plaidoyer à faire du côté haïtien, sans doute, pour essayer de faire comprendre aux diplomates eh bien, qu'il y a lieu d'envisager et de réviser la loi, les textes de l'Union africaine, et qui empêche Haïti d'être membre à part entière. Alors, il faut le souligner, alors qu'Haïti, dans ses travaux, notamment les travaux des diplomates, et aux Nations Unies et dans certaines instances internationales, je sais que pour faciliter la mise en place de l'Union africaine, bon nombre de ces travaux écrits par des Haïtiens, les textes, les archives ont été consultées par les fondateurs de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation aussi qui est faite du savoir, de l'expertise haïtienne. Mais de l'autre côté, je ne sais pas trop pourquoi, sans doute qu'il, comme je le disais tout à l'heure, il y a un plaidoyer à faire en ce sens, je ne sais pas trop pourquoi cette adhésion ne s'est pas faite sous prétexte que Haïti ne se situe pas en Afrique sur le plan géographique. Permettez ? C'est la dernière question, je pense. Oui, c'est la dernière parce qu'on va passer à la partie culturelle. Mais vous vouliez ajouter quelque voilà, chose ? Voilà, je voulais juste ajouter que l'OUA, l'Union africaine, est financée à 100%, à 90% par les pays européens. Par conséquent, ceux qui sont là, les présidents africains, pour prendre des décisions, ils doivent venir prendre des conseils. Naturellement, avec le temps, vous allez voir que dans 5 ans, les choses sont en train de changer et aller très, 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 très vite. Alors, juste un petit élément pour en ce qui a trait, bien sûr, à ces Congos qui, on va dire, portent une image négative dans les milieux caribéens. Je rappellerai avec Jean Fouchard que c'était eux c'était eux d'abord qui refusaient effectivement l'esclavage, et les premiers marrons étaient des Congos. Ce qui signifie, comme l'histoire n'a pas été écrite par nous autres d'abord, donc ce n'est pas, on va dire, anodin que
on dresse une image assez négative de gens peureux, etc., et de gens assez fébriles. Alors pourtant, en fait, les plus braves, si on peut le signaler, venaient effectivement de ce grand royaume Congo, qui aujourd'hui, en fait, a des pays qui en sont sortis, puisque ceux de l'Afrique centrale. Mais voilà, donc ne vous y trompez pas. L'idée est qu'on a dressé une image négative, c'est parce que c'était des gens qui posaient beaucoup de problèmes dans les colonies en refusant l'esclavage. Il faut le signaler. Oui. Oui, voilà. En fait, moi, j'ai saisi cette question parce que je me suis exprimée en premier. Ça va? Ça va, là? Oui, ça va. Et donc, j'ai escamoté mon exposé en me fiant aux 15 minutes. Je vois que les frères sont très prolixes. Généralement, on dit que les femmes... Et pourtant, vous voyez que je suis sage. Mais je bouillonne. Donc, je sais... Non, c'est même pas ça. C'est pas que ça. C'est pas là. C'est pas cette question. Mais en fait, c'est aussi de saisir cette question pour préciser une chose. Il est vrai que dans la traite, dans l'esclavage, souvent, on nous a opposé... Pour répondre, en fait, je précise, l'implicite, c'est la question, hein, d'accord? Pourquoi la question du monsieur, pourquoi le retour est énigmatique, etc. Et du coup, il est vrai qu'on nous a longtemps présenté les vendeurs d'esclaves, les Africains qui vendent les Africains. Comment voulez-vous d'avoir un tel machine durant des siècles? Et ensuite, que ce discours-là puisse susciter, mais en masse, un retour. Un retour vers celui qui vous a, en quelque sorte, trahi, vendu, humilié, etc., etc. C'est pour ça que, personnellement, et nous, en tous les cas, les idées qui sont les nôtres, en tout cas, ça consiste à ne pas nier une certaine implication, mais enfin... Pas pour balayer d'un mot la question, mais en tous les cas, les gens ont quand même massivement été entre le 16e et le 19e siècle, parce qu'on n'oublie pas que ça continue bien après sur les côtes de Mayotte et même beaucoup principalement au Brésil. Qui dit Brésil dit également une migration qui est allée vers vers Haïti. Et donc ça, on est vraiment dans la traçabilité. Et c'est aussi ça qui fait que le peuple Congo homogène, en tous les cas, la population haïtienne est vraiment homogène parce qu'il venait vraiment bien de ces côtes-là, à partir du moment où l'esclavage était plus ou moins bouclé ailleurs et qu'il y avait des interdictions, même si... D'accord? Donc, je pense que ça peut, en tous les cas, éclairer un petit peu sur la question de l'Africain, des derniers arrivants qui sont mal vus au niveau des autres, qui se disent, bah voilà, eux, ils arrivent et nous, on était déjà là. Il y a un groupe qui se forme et il y a des nouveaux qui arrivent. On a ça aujourd'hui encore. On a des Français de première, de dernière génération, etc., etc. On a des gens qui sont du bled, oui ou non, dans les banlieues. Nos jeunes, ils nous parlent de blédard. De blédiens, parce que eux, ils étaient là. Et qu'est-ce qui les différencie? Ça répond à la problématique du retour vers la personne ou le groupe de personnes, ou en tous les cas, la question géographique, elle est quand même liée à ça. Moi, je vois le bashing. Et ensuite, je voulais dire quand même un truc qui est très important, c'est que le retour, pour moi, aujourd'hui, pourquoi on y retournerait? Mais c'est parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi on y retournerait? La question, ça serait vraiment pourquoi on n'y retournerait pas? Qui est-ce qui est le plus mal vu dans la migration? Qu'un Africain ou qu'un Haïtien? Qui est-ce qui est mal vu? C'est quand même bien ça. Et c'est quand même bien la mélanine. Et c'est quand même bien les cheveux crépus et tout et tout. Or, aujourd'hui, bien vrai que Haïti est inscrit de longue date, les pères, etc., fondateurs ont toujours vu l'Union africaine et avant cela l'OUA comme effectivement un moyen d'exister, parce que la rébellion, parce que 1803, parce que la communauté internationale a toujours voulu mettre Haïti, mais sous...
comme encore aujourd'hui, de tenir l'île sous l'eau. Vraiment, pour un territoire qui est déjà dans les eaux, encore plus si on pouvait la noyer. Donc, l'Afrique apparaît à ce moment-là comme quelque chose comme le robuste, le géant qui va l'élever, qui va le libérer simplement. Maintenant, la question pratique, est-ce qu'on va jusqu'à ça? Or, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais effectivement dans ce que j'ai énoncé ici, la violence est telle que... je regrette encore, vous m'aviez dit que j'aurais pu projeter, mais bon, c'est pas grave. Le monsieur, il est pas là, en fait. C'est pas grave. Mais on verrait le niveau de la violence systémique entre Haïti, RDC et tous les pays africains qui font que de toutes les façons, il y a une constance. Maintenant. Tu as la clé pour projeter. C'est pas grave. Et donc, du coup, à partir de ces données-là, ce que je veux dire, c'est que le retour doit être maintenant un retour réfléchi, allié aux moyens d'aujourd'hui, aux outils d'aujourd'hui. Hier, effectivement, il y a des personnes, des îles qui allaient en Afrique parce que voilà, il y en a marre d'être pas reconnu, d'être discriminé, etc., etc. Il y en a plein des gens de la diaspora qui sont retournés en Afrique. Mais aujourd'hui, moi, je pense que le retour, il doit être un retour, comme je dis, 2.0, 2.20, 2. tout ce que vous voulez, s'il y a des informaticiens, des statisticiens dans la salle. C'est aussi une histoire de pouvoir vivre, parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. Il faut vraiment le dire comme ça. On ne va pas à l'immigration. Regardez, par exemple, je prends l'exemple de l'Australie. Les personnes à peau blanche, quand elles vont aux États-Unis, quand elles vont en Australie, elles, c'est pas... en tout cas, à la porte, simplement, on ne vous dit pas « Oui, vous êtes européen. » Non, eux, ils y vont. C'est après que les problèmes commencent. Ils ont l'avantage de se mouler dans la masse. Il faut que l'Afrique, que l'Africain comprennent où qu'ils soient, que nous avons aussi des avantages. Donc, que toute la diaspora retourne en Afrique. En Afrique, nous disposons de tout. C'est quand même bien chez nous qu'il y a les ressources qui font vivre le monde. C'est quand même bien chez nous qu'on a l'or, qu'on a le diamant, qu'on a l'uranium. Il n'y a pas de honte à être africain. Mais qu'est-ce que vous me racontez là de « oui, il est africain ». Non, mais ça ne tient pas la route. C'est le discours qu'il faut déconstruire. C'est tellement le discours qu'il faut déconstruire qu'il appartient, et on est à l'université, il appartient à chacun d'entre nous, des cerveaux qui sont ici, de déconstruire et de reproduire ce discours-là. J'accepte qui je suis parce que je sais qui je suis. Et c'est pour ça que j'attire à moi. C'est pour ça que j'attire à moi l'autre qui vient chez moi nuitamment, mais pour voler mes affaires, mais pour voler mon gaz, mon pétrole. Mais donc, à un moment donné, si on est rejeté et que je veux protéger, j'ai besoin de qui pour protéger? Qui d'autre mieux que moi peut me protéger? Et moi, c'est toi que tu viennes de je sais pas, du Brésil ou autre. Le dernier truc qui vraiment est en lien avec ça, c'est la place de la femme. Moi, je vous dis, tant que les étudiantes, elles étaient là, je ne les vois plus beaucoup. Merci d'être là. Mais en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est vous qui portez la responsabilité plus que jamais de ce retour aux sources. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas négliger le rôle de la femme du 21e siècle. Celle qui va s'impliquer dans tous les projets de recherche, en sciences, médecine, des projets, mais à la pointe, ce sont les femmes qui vont faire ce travail-là. Donc, mes chères sœurs, prenez votre responsabilité. On ne naît pas par hasard à un siècle par hasard. Nous pensons en tant qu'Africains que nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts et vous êtes là, prenez vos responsabilités, prenez-les par la main s'il le faut, ramenez-les en Afrique, faites vos recherches,
Nous, avec nos partenaires, on défend d'ailleurs un projet plus ambitieux que ce qui nous a été présenté avec les universités, etc. Mais c'est de se dire, moi, personnellement, on connaît tous le projet Erasmus. J'ai des collègues, on pourrait tous en parler, etc. Pourquoi on ne crée pas un projet de ce type-là entre universités africaines, un projet post-bac où des étudiants partiraient d'Haïti, faire des études dans n'importe quel pays d'Afrique, un passeport de 5 ans, et qui choisiraient soit de revenir en Haïti ou de rester là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont à la maison, encore une fois à la maison, et que l'Afrique a besoin de tous ses cerveaux. Et donc, dans l'autre sens, qu'il y ait des étudiants africains qui aillent également dans les universités, de Pointe-à-Pitre, de Port-au-Prince, etc., etc. Et là, on verrait pourquoi le retour n'est vraiment pas énigmatique, mais c'est un retour de raison. C'est un retour nécessaire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je ne veux léser personne. Il y avait une dernière question. Je ne sais pas si la personne est toujours là. Donc, c'était lui. Bon, il veut couler. OK, bon, d'accord. Alors, on va passer à la... Alors, je vais vous demander déjà d'applaudir chaleureusement nos invités. S'il vous plaît, un peu fort, très fort, parce qu'ils ont fait le nécessaire pour être là. Ils sont venus de très, très loin. Et ils nous ont bien servi, ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc, merci au professeur Massongo, qui nous vient d'Italie. Et merci à Madame Alissa, merci à notre Jardinerie nationale. Et merci à l'Afrique, merci à Haïti, merci à la Caraïbe, merci aussi à toute la diaspora africaine, haïtienne dans le monde entier. Et nos milieux, ce n'est pas seulement Haïti et l'Afrique, c'est le monde, parce que nous sommes en fait à la base des civilisations du monde. Je vais appeler un artiste, mais avant de faire ça, je préfère faire dans l'ordre. Citer, remercier pour leur appui, leur soutien, le réseau des étudiants haïtiens de Paris 8, un jeune réseau qui vient de se former, qui fait un travail phénoménal. Ils ont déjà même un t-shirt avec leur logo. Moi, j'ai pris mon maillot déjà. Donc, c'est que 10 euros. Prenez votre maillot. Il faut aller trouver Gerlise et vous prenez votre maillot de 10 euros. C'est pas cher du tout. Et je vais citer les noms de ceux qui composent cette structure qui est d'une importance capitale pour les étudiants à Paris 8. C'est Mario Louis Jeune qui est le président. Mario, tu es là ou pas? Ben viens. On a aussi James Bellus, vice-président. Donc James est là, juste là. Nous avons Jean-Simon, c'est Romuald, c'est ça? Jean-Simon Romuald, responsable des projets. Jean-Simon, nous avons Jean-Leslie Marseille, c'est ça, qui est le conseiller, l'un des conseillers. Nous avons Simon Gerlise, trésorière. Elle fait bien son travail, elle commence déjà à garder l'argent des t-shirts. Hein. Mais sérieusement, j'arrive à elle, je lui dis, vous savez, moi j'aimerais avoir aussi mon maillot à moi, elle me regarde comme ça. L'argent d'abord, on va essayer de le dire. Donc du coup, c'est très important, elle fait bien le travail. Et puis, nous avons Denis Val-Hervé. Applaudissements, s'il vous plaît, pour eux, parce qu'ils font un travail formidable. Et puis, nous avons Jafet. Je ne connais pas le nom de famille. Donc, voilà, qui est là aussi. Je passe la parole pour une minute seulement au président, et puis après, on arrête. Hein. Non, je préfère qu'il ne revienne pas, qu'il les dise, parce qu'après, je lui donne une minute, une personne, et puis c'est bon. Oui, salut tout le monde. Donc, merci pour votre présence, pas si nombreuse, mais nécessaire. Donc, aujourd'hui, cette journée concerne plutôt une journée d'histoire, qui fait l'histoire d'histoire. Souvent, nous avons étudié l'histoire, mais on ne fait pas d'histoire d'histoire. Donc, c'est dans cette même initiative que nous
les étudiants de Paris 8 se sont organisés pour faire en sorte que la vie des étudiants soit plus, je dirais, plus aisée, plus facile, voyez, plus fluide. Donc, notre champ d'action ici à Paris 8, c'est travailler avec les étudiants haïtiens, donc surtout les nouvelles arrivées, donc, qui rencontrent des difficultés de toutes sortes. Donc, ce réseau vient d'être créé, fondé. Donc, nous avons besoin du support de tout le monde parce que vous savez très bien que ce n'est pas souvent facile ici en France et que les étudiants arrivent à s'organiser, à tenir une association. Donc, en ce sens, nous demandons le support de tous les étudiants haïtiens, étrangers, et surtout les institutions haïtiennes, parce que sans elles, on ne peut pas franchement continuer à faire ce travail. Donc, voilà, c'était un beau moment que nous avons passé à l'Université Paris 8 avec les amis de Haïti et tous les autres qui ont pu être avec nous. Vous avez vu que dans les débats, nous n'avons pas encore dépassé le langage, l'éducation coloniale. L'éducation coloniale nous invite encore les beaux sales. Et ils pensaient qu'en les faisant venir, ces beaux sales ne savaient pas où est-ce qu'ils venaient. Ils savaient où est-ce qu'ils venaient. Ils savaient que c'était de l'esclavage. Donc, à quoi bon de suer autant? Pourquoi doit-on produire un rendement extraordinaire alors que ce rendement ne profite pas au beau sale? Non, je pense que le mal inoculé dans nos têtes au travers de l'éducation continue à nous faire du mal. Les 46 ans dont on avait, après la mort de Dessalines, les 46 ans où on avait interdit à Haïti, on avait interdit de prononcer le nom de Dessalines, de parler de Dessalines. On avait introduit dans la communauté d'autres valeurs, des valeurs négatives, des valeurs qui ne nous aident pas. Comment peut-on penser que ce beau sale, celui-ci, ce beau sale était un ignorant? Vous savez comment on l'appelle? Makanda. Makanda, en d'autres termes, Makandal. C'est lui. C'est lui qui était le moteur de la révolution. Le démarreur de la révolution de Haïti, c'est Makanda. C'est lui qui était sur tous les plans. Maintenant, si vous le prenez, vous dites à Makandal, va travailler dans les plantations. Mais au lieu de planter, il va détruire. Vous n'aurez pas de bon rendement avec lui. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a brûlé, quand il s'agissait de brûler, il a brûlé les plantations pendant un mois.
on pouvait ramasser l'aiguille qui est tombée en pleine nuit. En pleine nuit, on pouvait ramasser une aiguille. Pendant un mois, ils ont empoisonné les eaux. Il allait de bloc en bloc à dire aux gens comment ils doivent faire, quel comportement ils doivent adopter. Mais pour comprendre cet homme-là, il faut d'abord comprendre d'où il vient, quelle est l'histoire de cette terre-ci. Cette terre-ci, on les appelle terre Congo. Toute cette partie-là, c'est Congo. Ça s'étend entre le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, la République du Congo, l'Angola et même jusqu'en Namibie. Tout ça, c'est Congo. Comment peut-on penser que Sans Souci, le créateur de ce palais Sans Souci, qu'il était de basse culture, il était Congo Sans Souci. Comment peut-on penser? Comment peut-on penser que Kapwa la mort Non, je pense que avant de parler de l'histoire de Haïti, nous devions repartir dans les origines des peuplements, des peuples qui peuplent Haïti. Pour parler de Haïti, s'il y a près de, selon les archives nationales, 75% de Congo, si vous pouvez parler de Haïti, vous voulez parler de Haïti, alors vous êtes obligé d'aller apprendre l'histoire du Congo pour savoir ce que c'est que le pétrole Imba, pour savoir ce que c'est que le pétrole Imba, pour savoir pourquoi les Juifs, est-ce que quand en 1480 quand les Portugais sont arrivés au Congo, qu'ils ont vu la situation géopolitique, ils ont dit ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Mais si vous prenez ces hommes-là, vous les amenez en Haïti, dans les conditions où vous ne respectez pas les préliminaires, il était dit, bon, pour certains, Venez travailler, vous allez revenir. Ils ont été traités en esclaves, mais eux aussi, ils ne travaillent pas, c'est comme ça. Donc voilà, la discussion, elle est forte. Il faut aller en Haïti. Il faut aller, là nous sommes au Cap, nous sommes à Bois-Caïman. Celui qui est derrière moi, là, c'est le directeur de Bois-Caïman. Il faut aller à la citadelle de la Ferrière pour comprendre comment a été faite l'histoire. Comment elle est faite, cette histoire-là. Il faut aller à Vertières pour comprendre comment les jeux se sont faits. Il faut aller là. Cette église-là de Sans Souci. Il faut aller. Ça, c'est le roi Christophe. Hein? C'est lui qui, à 14 ans, jouait les tambours à George Savannah aux États-Unis quand les Haïtiens sont allés libérer l'Amérique, quand ils ont bloqué les Anglais à se venir se rallier avec ceux du Sud.
Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Je pense qu'on doit promouvoir ces échanges-là parce que c'est difficile de parler de son grand-père quand on ne connaît pas les origines de son grand-père. Quand on ne connaît pas ce que son grand-père a fait. Si on se base sur la logique des colons pour expliquer l'Afrique ou expliquer les mouvements d'indépendance, on a tout faussé. C'est pourquoi on s'évertue à échanger. Donc, si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité, faites-nous venir, qu'on vienne échanger. Posez toutes les questions possibles. C'est un devoir, nous n'avons pas des États. Les États qui nous abritent ne sont pas nos États. Nous ne sommes pas gérés. Notre culture n'est pas gérée par nos États. Il faut donc qu'on se donne la main, il faut qu'on se tienne la main dans la main pour aller de l'avant. Parce que sinon, il y aura des sacrifiés. Des gens qui auront tout sacrifié et des autres, d'autres qui vont se la couler douce. Je veux bien, mais Haïti continuera à être une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Ça, c'est la première phrase que j'ai entendue et retenue en Haïti. Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Que devions-nous faire pour bloquer cette dérive, pour arrêter cette dérive? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis allé près de 9 fois au Bénin pour comprendre un peu comment fonctionnent les choses là. Je pense qu'il est temps qu'on se tienne la main dans la main. Voilà. C'est dommage parce que la fête de l'indépendance de la première République noire se fait au moment où les gens pensent à leur famille. Et ça, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. C'est pourquoi nous allons continuer à parler de Haïti, à promouvoir les échanges qu'il y a et que nous devions pousser, parce que sinon, si on ne le fait pas, nous sommes foutus. Merci beaucoup, merci pour le temps que nous avons passé ensemble. J'estime que vous avez été contents, et ça, c'est l'essentiel. Me voici au palais sans souci. Me voici à la citadelle, la ferrière. Là, je suis à Vertières. Macandal, si c'est un beau sale, alors c'est un bon beau sale. Contrairement à ce que vous pensez, certains pensent. Non. C'était un grand soldat au Congo et un grand soldat en Amérique. Parce que quand vous venez ramasser des gens d'une armée la plus forte du monde, la plus forte d'Afrique au XVIe siècle, quand vous venez ramasser l'armée du Royaume Congo, eh bien, quand ils se retrouvent, et qui peut et qui mette la main sur une caserne, alors
ils vous font l'affaire, comme on dit chez nous. Merci beaucoup, nous avons terminé. C'était donc pour se rafraîchir la mémoire sur le bicentenaire de Haïti, 1er janvier 2000. Oui, on a commencé en 2004 et puis après on a évolué sur les échanges qu'on a eus à l'université Paris 8. Merci Josué. Merci mon frère Josué. Merci mon frère Aude-Nord. Et merci. Merci monsieur Jacques Nézy. Merci monsieur Jacques Nézy. Merci madame Adissa. C'était un grand plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous. Merci, 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 merci et au revoir. Recommence, recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Recommence, recommence, recommence. Oui, nous allons continuer à recommencer. Donc, merci beaucoup. C'est terminé. C'est dans le cadre des festivités du bicentenaire de Haïti, disons, des festivités de l'indépendance de Haïti, que nous avons voulu présenter ces images, souvenirs de cette grande lutte que nous devions porter en avant. C'était Masengo Mabongolo dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo Tivu. Terminé, 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 terminé. À nous revoir prochainement. Merci. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longa Congo a dit, un peuple qui perd sa langue
et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Matando pele que te patindundo, te patindundo pele que te patindundo.